Dunkerque, dans le Nord-Pas-de-Calais. Si la ville est réputée pour son dynamique port de commerce et ses industries, elle l'est presque autant pour la Pilotine, un bar de nuit qui trône devant le quai de la Citadelle. Christine, la patronne, y attend de pied ferme les joyeux et turbulents fêtards. Ce week-end, c'est carnaval. Dans le Nord, on est très très fêtard. Donc le carnaval de Dunkerque, c'est vraiment pour danser, pour boire un coup, pour s'amuser, pour se libérer aussi d'une année de travail, quoi. J'ai connu toute ma vie la fête. J'étais la première DJ femme sans Dunkerque et j'ai racheté la Pilotine, je devais avoir 27 ans. Quand vient le mardi, la grande Zoa. Avec les marins, pour avoir de la répartie, tout en restant amical. Je préfère gueuler que de montrer ma faiblesse, voilà. Allô ! Messieurs, dames, bonne santé ! Bonne santé ! Le carnaval à Dunkerque, c'est une tradition, un rendez-vous incontournable dans l'année. On se prépare en se déguisant et aussi, pour certains, en se replongeant dans l'histoire des Terre-Neuve. C'est les photos du départ pour Islande à Dunkerque. Ça date de 1912. Mmh. Ils partaient pêcher la morue. Les départs étaient concentrés sur le mois de février, d'où le mauvais temps, les tempêtes. Et c'est vrai que pour partir en mer du temps comme ça, il fallait se donner un peu de baume au cœur. Les femmes de marins, les enfants attendaient sur le quai et faisaient la fête pour fêter leur... Le départ des marins en mer d'Islande. On ne savait pas s'il y aurait eu un retour. Hein. Donc le carnaval est parti de cette tradition-là. Le carnaval, c'est un défouloir total. On chante, on fait des kilomètres dans cette ville. On fait des chahuts, on se bouscule, on s'embrasse, on se prend ses pleins de câlins. C'est plein d'amour aussi, hein, le carnaval. Ça requinque, ça regonfle. Et si vous cherchez un peu d'amour pour vous requinquer, de la joie, de la bonne humeur, il y aura toujours sur le port de Dunkerque la Pilotine qui vous tendra les bras.